il a besoin d'être vraiment posé. Ça veut dire qu'il a besoin de savoir que il a une seule femme dans la vie. Il sait que avec elle il peut entreprendre, avec elle il peut parler projet, avec elle il peut faire ceci, cela. Mais si tu n'as pas ça, que tu as beaucoup beaucoup de mouvements, tu sais pas qui te porte la poisse. Parce que c'est ça, quand c'est dit la vérité, il y a des gars qui portent la poisse. Il y a des femmes là, elles portent bailoc. C'est des poisseuses. Oui. C'est-à-dire que quand tu sors avec elles là, le lendemain là, ton business là, c'est en bizarre. Quand tu sors avec elle là, le lendemain, là, on te licencie. C'est-à-dire que ton âme que tu es en train de chercher là, ça commence à être en bizarre. Ton business en bizarre. Ton boulot même commence à être en bizarre. Ça veut dire que là, ton patron va te dire, bah, on va licencier. Mais parmi les licenciés là, toi, tu en fais partie. Tu en fais partie. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu vas aller chercher les vieux sorciers du village. Tu vas aller chercher les vieilles sorcières du village. Alors que eux-mêmes, là-même, là, ils ne t'ont même pas dans la tête. Eux-mêmes, ils pensent même pas à toi. Eux, ils sont sur un autre projet. Mais toi, tellement que ta vie est en bizarre, tu penses que les sorciers, c'est toi qui es dans leur projet. Vous avez compris? Mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, tu as trop de nanas. Tu n'es pas rangé. Tu n'as pas une vie rangée. Donc ta vie même est bizarre. Parce que quand tu vas sortir avec une, elle te donne sa poisse. Après, tu vas sortir avec une autre. Elle aussi, elle te donne peut-être son bonheur. Sa chance, mais tu sais pas. Tu sais pas parmi elles toutes là. Tu sais pas laquelle qui te porte la poisse. Tu sais pas laquelle qui te porte la chance. Parce que tu peux pas savoir. Mais si tu es avec une seule, si tu es avec une seule, tu vas savoir si elle te porte la poisse ou elle ne te porte pas la poisse. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que cette histoire de porter chance, porter malheur là, ne pensez pas que ça n'existe pas. Hein. Ça existe. Ça existe. Ça veut dire une femme peut te porter la poisse aujourd'hui, et cette même femme-là, elle va aller se mettre avec un autre homme, et là-bas, elle va lui porter la chose, chance. Parce qu'en fait, si tu veux, vous deux là, vous n'allez pas ensemble. Vos esprits ne vont pas ensemble. Vous n'êtes pas compatibles. Donc, quand vous êtes ensemble, toi, ton étoile brille pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu es dans cette situation-là, que tu as envie de choisir, tu es fatigué de faire mougoupan, tu es fatigué de te promener, tu es fatigué quand on joue avec tes testicules tous les jours. Tous les jours, tu as une nouvelle go. Tous les jours, tu te réveilles avec une nouvelle go. Tes testicules, là, les femmes, là, elles lapent ça seulement jusqu'à, elles lapent seulement. Quelle position tu n'as pas encore fait dans ta vie? Quel grêlis tu n'as pas encore fait dans ta vie? Quel go tu n'as pas encore eu dans ta vie? Tu as eu toutes les couleurs. Femme noire, femme claire, femme jaune, femme bleue, femme en forme, femme fince, mince. Gros ventre, petit ventre, beaucoup de fesses, petit sein. Tout. Tu as tout connu, mon frère. Tu as tout connu. Tu dis, tu aimes Lolo. Quand tu es avec Lolo là, quand tu as mangé Lolo là une, deux fois là, tu es fatigué. Maintenant, tu dis, tu veux citron. Tu vas derrière citron. Citron aussi là, quand tu as plus citron jusqu'à après, tu es fatigué. Tu dis, bon, maintenant je veux plus citron. Maintenant, je veux plus Lolo. Je veux le juste milieu. C'est-à-dire que la poitrine, c'est pas Lolo, c'est pas citron là. Le milieu là, c'est ce qu'elle veut. Maintenant, tu t'en vas aussi. Quand tu es avec le milieu là, deux, trois fois, tu es fatigué. Oui, on a quand même dit la vérité. Donc, ta vie en bizarre, bizarre. Ta vie en bizarre, bizarre. Toi-même, tu comprends pas, mon frère. S'il te plaît, fais un choix. Fais un choix. Parmi les prétendantes, là, faut faire un choix. Alors, pour faire un choix, faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut savoir qui te convient. Il faut te poser des questions. Toi-même, dans ton cœur, là, comment ça se passe? Quand tu es avec elle, là, comment ça se passe? Il faut que tu commences à voir ça. Parce qu'amusement, là, c'est un âge. Amusement, c'est un âge. Toi, un homme même, déjà, quand c'est-à-dire que tu n'es pas dans une relation sérieuse. Parce qu'on ne parle pas là de mariage. On ne parle pas forcément mariage. On parle d'une relation sérieuse. Ça veut dire que toi, un mec, même quand tu es dans une relation sérieuse, quand tu es avec une nana, tu n'as même plus envie de t'emmerder. Parce qu'en fait, si tu veux, toi, tu es déjà posé. Ta tête est déjà posée. Tu as une paix intérieure. Maintenant, ça te donne envie d'aller chercher l'argent. Ça te donne maintenant envie d'aller chercher l'argent. C'est-à-dire que toi, ta priorité maintenant, c'est l'argent. Comment tu vas aller te chercher pour gagner ton argent? Pour que tu puisses être heureux avec cette nana-là. C'est ça. Bon, si tu n'as pas ça, tu n'as pas envie de prendre cette solution-là, cette résolution, et que tu veux rester comme ça avec plusieurs nanas, ou même que tu te dis, quand tu sors, tu vas voir une,
elles sont plus belles l'une après l'autre. C'est-à-dire que quand tu es avec une, tu te dis celle-là, c'est la plus belle. Mais une fois que tu finis de faire un, deux, trois coups, tu as envie de voir, quand tu vois une autre encore, tu te dis, non, elle est trop belle. Elle a son mot, il faut que je la voie nue. Bon, quand tu la vois nue aussi, tu n'es pas satisfait. Parce qu'en fait, si tu veux, tu n'es pas satisfait. Tu n'es jamais satisfait. C'est quand tu n'as pas encore touché là, que c'est doux. Quand tu n'as pas encore touché là, c'est là ça te fait rêver. Mais une fois que tu touches là, c'est fini. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a des femmes là, on est toutes pareilles. Oh. Femmes là, on est toutes pareilles. C'est-à-dire que là-bas là, en bas là-bas là, c'est pareil. Donc si toi l'homme, tu veux c'est beauté, tu veux regarder. Ou bien c'est Bobaraba, tu veux regarder. Ou bien c'est Lolo, tu veux regarder. Ça veut dire que toi, ta vie là, tes amis seront en train d'avancer. Tes amis seront en train d'évoluer. Toi, tu vas rester là au même stade ou même tu vas régresser. Parce que les femmes, tu es là, tu couches de femme en femme. Tu prends de poisse en poisse. Ta bouche est dans le bijou des femmes là tous les jours. Ça, tu as dit que ta vie même est en bizarre. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça. Arriver à un moment donné de sa vie, il faut prendre une décision. Il faut se dire que, ok, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Je suis avec mes 2 go. Ça fait 6 ans, je suis avec 3 go. Maintenant là, j'ai envie de me caser. Maintenant là, j'ai envie de me poser. Il faut dire ça. Il ne faut pas rester dans l'amusement. Il y a des garçons qui ne veulent pas grandir. Il y a des garçons, là, eux, ils ne veulent pas grandir. Ça veut dire que eux, quand tu leur parles, ils vont te dire, mais j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. J'ai 25 ans. J'ai 30 ans. Chez un homme, 30 ans, c'est jeune. Un homme, 30 ans, là, il est encore jeune. Donc, il a tout son temps. Hey! De la façon dont on dit les femmes, une femme à partir de 25 ans, elle doit être fixée. Elle doit avoir quelqu'un dans sa vie. Elle doit être située là. Même si elle n'est pas mariée, mais elle doit savoir que j'ai un fiancé. Elle doit savoir qu'on m'a doté là. C'est comme ça, vous les hommes aussi, arrivez à un certain âge là. Il faut que vous soyez situés. Oui! Pas un vagabondage là, c'est pas que chez les femmes, hein. Chez les hommes aussi, ça existe. Toi, un homme arrivé à un certain âge, tu dois être situé. C'est pas tous les jours que tu vas t'amuser. C'est pas tous les jours que tu vas rester gamin. C'est ça. Parce qu'il faut commencer à être responsable. Quand on a envie d'être responsable, on a envie de se caser. On a envie d'être avec une seule femme. C'est ça. Mais quand tu n'as pas envie d'être responsable, quand tu veux être gamin dans la tête, tu te dis toujours que tu es un enfant. Tu te prends pour Peter Pan. Ah! Ou bien, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des garçons là, elles se prennent pour Peter Pan. Le dessin animé Peter Pan là. Dans tous les jours, ils sont là, moi je suis jeune. Moi je suis jeune. L'âge là, c'est dans la tête. Moi il y a tout le temps. C'est femme qui vieillit. Sinon, garçon ne vieillit pas. Donc moi il y a tout le temps. Moi il y a le temps. Jusqu'à même à 40 ans, moi je peux me marier. Jusqu'à 50 ans, moi je peux me marier. Je suis un garçon. Oh, il y a garçon fané, hein. Il y a garçon fané. Il y a garçon fatigué, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment là où toi, le gars, là, tu coûtes plus cher sur le marché. Ou même tu n'intéresses même plus les femmes. C'est-à-dire que si tu restes en train de jouer, puis tu as dit, garçon, vieillis pas, garçon, en tout son temps là. Arrivé à un certain moment là, mon ami, tu coûtes plus cher sur le marché. Quand tu dis bonjour, mais on ne te regarde plus, ben, tu es fini. Ah, on n'a qu'à se dire la vérité. Garçon aussi fini. Il y a finiment des garçons. C'est-à-dire que garçon arrivé à un certain moment, quand il n'est pas casé là, on le prend plus au sérieux. On se dit, lui là, pardon, c'est un plaisantin. Lui là, ça c'est quoi ça? C'est les garçons yuru à Dokaflé. Les garçons yuru à Dokaflé. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Un gars comme ça, là, mais il a fait quoi lui? Ça existe, hein? Ça existe. Garçon à Dokaflé. Garçon qui ne coûte pas cher sur le marché. Garçon tabataba là. Ça existe. Donc, ça dit que si toi, un homme, tu es dans ta tête, tu n'as pas envie de te caser là. Mon frère, il faut te réveiller, hein. Faut te réveiller, sinon tu vas finir. Tu vas devenir garçon à Dokaflé. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vais vous dire une chose. Un homme, il doit penser à sa paix intérieure. Un homme doit penser à sa paix intérieure. C'est très important. Toi, un homme, tu as besoin de paix intérieure pour pouvoir avancer. Si tu n'as pas la paix intérieure, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas évoluer. Parce qu'en fait, tu as besoin d'évoluer. Tu as besoin d'avancer. Et pour avancer, ta paix intérieure, c'est plus que prioritaire. Alors, pour avoir cette paix-là, il faut avoir une femme, une copine. Même si tu n'es pas marié, tu ne la maries pas. Mais au moins, vous êtes dans une relation sérieuse. Voilà, c'est ça. Parce que parmi tes goûts là,
C'est pas, il y a des hommes qui disent, oui, mais j'arrive pas à faire un choix. Les deux, là, j'ai l'impression que je les aime. Je les aime tous deux et tout. Donc, je sais même pas quel choix faire. Mon frère, tu ne sais pas choisir. Parmi tes deux go, là, parmi les deux go que tu as, là, les deux go que tu as, là, quand tu es avec une, là, est-ce que tu ressens du plaisir? Tu ressens une joie, un bonheur? Parce que moi, je vous dis une chose, hein. Toi, un homme, quand tu es avec Christine, quand il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que il n'y a pas une sensation qui t'anime. C'est-à-dire Christine et Georgette, là, quand tu es avec les deux, là, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence. Quand tu es avec les deux gos, là, il n'y a pas de différence. Tu ressens les mêmes choses. Quand c'est comme ça, là, c'est que ces deux gos, là, elles ne te conviennent pas. Elles ne sont pas les bonnes. Voilà. C'est qu'il n'y a pas, y a même pas pour toi dedans. Parce qu'un homme, pour savoir que c'est la bonne, il y a des signes. Il y a des signes. Ça veut dire que quand tu n'es pas avec elle, là, elle te manque. Tu as envie d'aller la voir. Tu as envie de la voir. C'est ça des signes. C'est-à-dire que tu ressens quelque chose de fort. Même si tu l'as vue aujourd'hui, le lendemain, tu as envie de la revoir. C'est ça les signes. Ça veut dire que c'est la femme qu'il te faut. Cette envie-là, ce besoin d'aller la voir. Quand tu es avec une femme, quand tu es avec une femme, quand tu lui confies ta vie, c'est-à-dire que tu te confies à elle, tu parles de ton secret, tu parles de ta vie, tu as l'impression que quand tu lui parles, tu te sens bien. Quand tu es avec une fille et que déjà tu parles avec elle, tu arrives à te confier. Parce que moi, c'est ce que je dis, ce n'est pas tous les hommes qui se confient. Les hommes ne se confient pas à toutes les femmes. C'est ce que des femmes, elles ne comprennent pas. Elles sont mélangées. Elles disent, mais je suis avec mon chéri, ça fait combien d'années on est ensemble, il ne se confie pas à moi. Il ne me dit pas, il ne me dit rien. Je ne sais même pas même son secret. Je ne sais même pas ces choses. Mais parmi les gars là, il y a une dedans là, à qui il dit tout. À qui il dit tout. Ça veut dire qu'elle là, il se confie à elle. Quand il n'est pas bien là, c'est à elle qu'il parle. Quand il a un secret là, c'est à elle qu'il dit. Il a l'impression, quand il parle avec elle, il a l'impression d'être bien, d'être rassuré, de sentir un bonheur, un bien, un apaisement. Alors toi, l'homme, quand tu es avec ta chérie là, celle avec qui tu ressens ce besoin là, celle avec qui tu ressens ce plaisir là, à parler avec elle, à te confier à elle, c'est la bonne. C'est la bonne. Si tu es avec une que tu n'as pas cette envie là de te confier à elle, de lui parler de tout là, c'est que c'est pas la bonne. Ça veut dire que tu n'es pas à l'aise avec elle. Voilà, tu n'es même pas à l'aise avec elle. Donc elle là, faut la laisser. Faut la laisser. Voilà, parce que c'est ça. Quand un homme même là, un homme même quand il est fin là, un homme quand il aime une femme là, quand il ne peut rien lui cacher. Il ne peut rien lui cacher, il lui dit tout. Il lui dit tout. Et puis quand il lui parle là, il lui parle même. C'est-à-dire que tout son cœur là, il ouvre ça comme ça. Et puis il donne à la fille. Il se confie à elle, il lui dit tout. Et puis elle écoute. Mon ami, si tu ressens ça là, avec la fille là, faut laisser l'autre là. Faut laisser l'autre. Maintenant, il y a des fois, tu peux être avec deux gos, mais arrivé à un certain moment, la go là, quand tu es avec elle, tu n'as plus envie d'aller voir l'autre. L'autre là, tu n'as plus envie d'aller la voir. Ça veut dire que, arrivé à un certain moment, tu n'as même plus envie même d'aller draguer. Tu n'as même plus envie d'aller voir les autres. Tu as envie de voir qu'elle. Elle seule. Oui. Amour qui est là, ça ne connaît pas. Oh. Amour qui est là, ça ne connaît pas. C'est-à-dire que quand toi-même, l'homme, tu te sens bien avec une fille là, tu sais que c'est elle là. Quand tu ressens quelque chose là, tu n'as même plus envie même d'aller voir une autre go. C'est-à-dire que les go que tu gérais là, quand elle t'appelle maintenant, tu regardes leur numéro comme ça, puis tu décroches plus. Souvent même, tu les mets sur liste dirigée. Et puis, tu es avec celle qu'elle a là. Ça veut dire que celle qu'elle a là, c'est la bonne. Faut pas chercher loin, c'est la bonne. Celle qu'il te faut. Ça veut dire que c'est d'elle que tu es fan. C'est elle que tu aimes. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est elle que tu aimes. Pas vous les hommes aussi là, vous aimez trop vous poser des questions. C'est-à-dire que vous, souvent vous avez des réponses, hein, mais tellement que vous êtes insatisfait, vous avez des réponses, hein, mais vous cherchez encore. Toi-même, la fille, tu es avec elle là. Quand tu es avec elle, tu es heureux comme ça. Quand tu n'es pas avec elle, tu as envie de la voir. Quand tu es avec elle là, tu te confies à elle comme ça, tu lui dis tout. Mais malgré ça là, tu vas aller chercher. Tu t'en cherches quoi? Tu veux qu'on te fasse un dessin?
Tu veux qu'on te fasse un dessin, ça veut dire que celle-là, c'est elle qui te faut, c'est elle qui te convient. Ah, on n'a qu'à se dire la vérité, les amis. On n'a qu'à se dire la vérité, c'est elle qui te convient, mon ami, il ne faut pas chercher trop. Il ne faut pas chercher trop. Enfin, souvent, même quand tu veux trop avoir, là, finalement, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Quand tu ressens ces choses-là, ça veut dire qu'il faut rester avec elle. Il ne faut pas t'emmerder. Il ne faut pas t'embrouiller. Ne vous embrouillez pas, les hommes. Ne vous embrouillez pas, s'il vous plaît. Il y a trop de poisse dehors. Il y a trop de poisse. Ça veut dire que toi, l'homme, la go avec qui tu es, parmi tes go là, il y a une là. Il y a une là. Tu n'as même pas peur de la présenter à tes amis. Tu n'as pas peur de la présenter à tes amis. Tu n'as pas honte de parler d'elle à tes amis. C'est que c'est la bonne. C'est que c'est la bonne. Ça veut dire que tu imposes ta chérie à tes amis. Leur avis là, ça compte pas. Pas moi, vous dites, vous les hommes, hein. Vous les hommes là, je vous dis, quand vous êtes en relation là, quand vous êtes à des go là, et que vous voulez choisir là, ce sont vos amis là, vous partez écouter. C'est ton ami, tu vas aller écouter. Est-ce que ton ami, il est dans ton cœur? Il n'est pas dans ton cœur. C'est ce que toi-même ton cœur veut là, mon frère. Faut choisir. Et puis quand tu choisis là, tes amis l'acceptent. Parce que tellement qu'ils te respectent, tellement que tu es en train de respecter ta go là, tes amis les vont l'aimer. Bon, ils ne sont pas obligés de l'aimer, hein, mais ils sont obligés de l'accepter. Ils sont obligés de la respecter parce que tu as imposé ton choix. C'est ça. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu ressens tu ressens ça là, c'est que la fille là, c'est la bonne. Quand tu la présentes à tes amis avec fierté, avec assurance, c'est que c'est la bonne. C'est que c'est la bonne. Ça veut dire que quand tu la présentes à tes parents, sans peur, parce qu'en fait, tu n'attends même pas que ta mère te dise, elle ne me plaît pas. Tu n'attends pas que tes soeurs te disent, elle ne me plaît pas. En fait, tu imposes ton choix. Quand tu as ce sentiment-là, c'est que c'est la bonne. C'est que c'est la bonne. C'est que c'est elle qu'il te faut. C'est elle qu'il faut prendre. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça. Parce qu'un homme, quand il aime sa chérie, je vous dis, il impose son choix à ses parents. Ça veut dire que maman peut ne pas vouloir. Les soeurs peuvent ne pas vouloir. Papa peut ne pas vouloir, mais il va imposer ce choix-là. Il va leur montrer que c'est elle que j'ai choisie. C'est elle que j'aime. C'est avec elle que je me sens bien. C'est-à-dire que je me retrouve avec elle. On est compatibles. Mais à partir du moment où toi, l'homme, tu dis ça, c'est-à-dire que tu imposes ça à tes parents, et que tes parents même savent, tu leur fais comprendre, c'est que cette femme-là, c'est elle qu'il te faut. C'est la bonne. On ne peut pas prendre une femme et dire que je cherche une femme parfaite. Non. Parce que vous savez, parfois, on est avec deux go, et puis on se dit, bah finalement, je vais choisir la plus gentille. Celle-là, je ne suis pas trop fan d'elle, mais elle est gentille. Elle me respecte, elle est gentille, donc je vais la choisir. Mais l'autre là, elle est un peu trop tabataba. Elle est un peu tête en l'air. Mais elle, je suis fan d'elle. Donc, je vais la choisir, je ne vais pas la choisir, je vais laisser. Mais je dis, il ne faut pas voir les choses comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, la go gentille là, la go trop sage là, que tu penses qu'elle est trop parfaite là, si c'est elle que tu choisis, que tu ne l'aimes pas, si tu ne l'aimes pas, ça veut dire que tu n'es pas à l'aise avec elle, tu ne l'aimes pas. Mais tu l'as choisie parce qu'elle a l'air d'un ange. Mais mon frère, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. Parce que femme change. Femme change. Femme change, on dirait météo. Voilà, ça veut dire que tu peux, toi l'homme, tu peux choisir une go qui est un peu tabataba, une go qui est un peu bandite. Mais dans le futur là, elle devient la meilleure femme du monde. Oui, on a les preuves, on a les preuves. Il y a des femmes là, il y a des filles là, au début là, elles étaient bandites. Ça veut dire que leur mari là, on leur disait au début, celle-là, tu as fait quoi elle? Non, faut pas choisir celle-là, c'est pas une bonne fille. Faut choisir l'autre là. C'est l'autre là qui est bien. Mais ils ont choisi, ils ont écouté leur cœur. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Toi, un homme, tu dois écouter ton cœur. C'est-à-dire que l'homme, il a besoin d'aimer une femme avec qui il va être. C'est très important. Parce qu'un homme, quand il n'aime pas et qu'il choisit celle qu'il n'aime pas, après, cette femme-là souffre dans la relation. Et l'homme aussi, arrivé à un certain moment, il devient très frivole. Il devient un homme très absent. Il est tout le temps dehors. Parce qu'à la base, il ne l'aime pas.
Il a choisi parce que ses amis lui ont dit, oui, celle-là, elle est sage, oui, celle-là, elle a une bonne éducation, oui, celle-là, c'est enfant d'eux, oui, celle-là, c'est... De... Donc, toi, maintenant, tu es avec elle et puis tu n'es pas à l'aise. Mais c'est ta façon de te comporter avec elle, ta façon de l'ignorer dans le futur, ta façon de la tromper tous les jours, ta façon de la frustrer tous les jours, ça va la métamorphoser et elle sera une mauvaise femme. Parce que c'est ça. Parce qu'il y a des femmes qui deviennent mauvaises dans leur foyer. À la base, elles n'étaient pas mauvaises. Mais c'est le comportement de leur mari. Parce qu'en fait, elles ne se sentent pas aimées dans leur foyer. Elles ne se sentent pas bien dans leur foyer. Et ça les change. Parce qu'une femme, quand elle n'est pas aimée dans son foyer, une femme, quand elle n'est pas respectée dans son foyer, une femme, quand on ne lui montre pas l'attention, elle devient une méchante femme. Elle devient une femme rebelle. Elle devient une femme qui ne respecte pas. Elle devient une femme insoumise. Et toi, l'homme, tu es là, tu dis, mais elle est trop mauvaise. Mais elle est trop mauvaise. Mais elle m'avait menti. J'avais pas vu ça. Elle avait caché son jeu. Non, 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 mon frère. Elle n'a pas caché son jeu. En fait, ce sont tes frustrations qui l'ont rendu comme ça. Voilà pourquoi je dis, un homme, il a besoin de choisir une femme qu'il aime. C'est très important. La femme, elle n'a pas besoin de choisir l'homme qu'elle aime. Parce que dans la Bible, même Dieu a dit, homme, tu aimeras ta femme. Ça veut dire que l'homme, il a besoin d'aimer la femme avec qui il est. Mais la femme, elle n'a pas besoin d'aimer l'homme avec qui elle est. La femme, elle peut apprendre à aimer son homme. Parce que cet homme-là, l'apprend bien. Donc, elle va apprendre à l'aimer. Voilà. C'est très important. C'est très important. Parce que parfois, il y a des gens qui donnent pas de bons conseils, qui disent aux hommes, choisis la plus gentille. Choisis la plus religieuse. Choisis la plus comme ça. La plus vierge. Prends celle qui est vierge là. Faut laisser l'autre là. L'autre, elle a eu 2-3 gars, donc elle n'est pas sérieuse. Oui, c'est vrai, mais il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Son foyer sera triste. Il sera dans un foyer très triste. Et la femme, elle va souffrir. La femme, elle va souffrir. Elle va subir. Parce que cet homme-là, il va le lui rappeler à chaque fois. Il va lui dire à chaque fois, tu sais que je ne t'aime pas. Tu sais que je ne t'aime pas. Donc, on est dans le foyer là. Faut me laisser tranquille. C'est-à-dire que l'homme va lui rappeler tous les jours qu'elle sait qu'il ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait le mauvais choix. En fait, il a voulu écouter sa raison. Un homme ne doit pas écouter sa raison. Un homme doit écouter son cœur. C'est ça. C'est-à-dire que quand ton cœur te dit c'est celle-là, quand ton cœur même te dit celle-là, je l'aime, quand tu es avec elle, tu ressens un plaisir immense. C'est vrai, elle est bandite. C'est vrai, elle est un peu bandite. Mais quand tu parles avec elle, quand tu converses avec elle, tu vois un peu que elle est bandite, mais son fond est bon. Elle est bandite, mais c'est une fille. Elle a des principes, elle a des valeurs. Mais elle est juste entraînée. Ça veut dire qu'elle a des amis qui l'entraînent. Elle est quelque part où on l'entraîne. Elle ne sait pas un peu ce qu'elle fait. Voilà, c'est ça. Mais toi, l'homme, tu sais que la fille, quand tu parles avec elle, tu sais que c'est une fille qu'on peut changer. C'est une fille, si on la prend bien, elle peut devenir une bonne femme. C'est ça. C'est ce qu'il faut regarder, les hommes. Ne vous mettez pas, ne choisissez pas les femmes que vous n'aimez pas. Une femme avec qui tu es, une copine avec qui tu es, tu as deux copines. Alors celle, quand tu vas la voir, tu n'as même pas, ça ne te vient même pas à l'idée de vouloir même lui faire plaisir. Ça veut dire que quand tu es en train de passer devant un marché, un supermarché, tu n'as même pas envie d'acheter une bouteille de vin. Tu n'as même pas envie de lui offrir un cadeau. En fait, cette envie-là ne te revient pas. Cette envie ne te revient pas. Tu as honte même de la présenter à tes amis. Tu as honte de la présenter à tes amis. Tu es gêné même de la présenter à tes parents. Tu as peur même de la présenter à tes parents. Mais tu te dis, oui, je vais la choisir. Parce que elle, je sens qu'elle m'aime trop. Parce que elle, je sens que je peux la maîtriser. Non, 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 tu ne peux pas la maîtriser. Parce que celle que tu vois calme comme ça, là. Si tu la maries, c'est elle que tu choisis, là. Alors que tu sais très bien que tu ne l'aimes pas, là. C'est que tu vas lui faire demain, là. Elle va devenir diable. Elle va devenir monstre. C'est qu'elle va te montrer, là. Toi-même, là, si tu quittes, là, tu vas regretter toute ta vie. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui. Alors que celle-là, la petite bandite, là. La petite bandite qui aime les sorties, parfois. Elle aime un peu les shows. Elle aime la mode. Elle aime un peu du bling bling. C'est-à-dire que tu es avec elle. Mais mon frère, si c'est elle que tu aimes là, choisis-la. Choisis-la. Moi, je dis, garçon change femme.
Garçon change femme. Un homme, quand il sait te prendre, toi la femme, quel que soit ton banditisme, tu deviens la femme la plus sérieuse du monde. Tu deviens la femme la plus sérieuse du monde. Les gens, ils comprennent pas. Ils pensent que quand tu maries une femme qui a été frivole dans le passé, quand elle n'était pas mariée, si tu la mets dans ton foyer, elle va te tromper tous les jours. Non, c'est une erreur. Au contraire, la plus gentille, la plus sage, là, la Vierge Marie, là, que tu allais prendre puis tu as déposé chez toi à la maison, là, c'est elle-même demain, là, elle va te tromper, mais grave. Parce que si vous voulez, elle a passé son temps à être la Vierge Marie. Elle a passé son temps à bien paraître. Donc, elle est dans ton foyer, là. L'attention qu'elle recherche, qu'elle n'aura pas, là, c'est comme ça va commencer à te tromper. C'est comme ça va devenir très infidèle. Voilà. Mais la fille qui était peut-être infidèle, ça c'est son passé. Mais elle, quand tu l'as choisie, parce que c'est elle que tu aimes. Quand tu l'as choisie, parce que quand tu es avec elle, tu as envie de lui faire plaisir. Quand tu es avec elle, tu as envie de parler avec elle. Ça veut dire que tu as des envies de voyager avec elle. Tu parles projet avec elle. Malgré qu'elle est comme ça. Mais quand vous êtes en train de parler, tu ressens un bien. Tu sens quand même, on dirait deux personnes. C'est ça, on dirait deux personnes. Ça veut dire que on parle d'elle, on dit oui, elle est comme ça. Mais quand tu es avec elle, quand tu es avec cette nana-là, quand tu parles avec elle, tu dis mais les gens la jugent pour rien. Les gens la jugent pour rien. Au fond d'elle, c'est une bonne fille. Au fond d'elle, elle est très intelligente. Au fond d'elle, elle a des projets. Elle est très ambitieuse. Elle est très très bien. Voilà. Parce qu'il y a ce que les gens disent. Et puis, il y a ce que toi-même, tu vis. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire que toi, un homme, tu choisis pas une nana parce que les gens la dénigrent. Ça, c'est ce que les gens disent, mais ils ne la connaissent pas vraiment. C'est la réputation qu'elle a, mais ils ne la connaissent pas vraiment. Toi, tu la connais parce que toi, tu partages ton intimité avec elle. Toi, tu parles sérieux avec elle. Ça veut dire que vous avez des conversations très sérieuses. Donc, toi, tu la connais. Alors, le jugement des gens, tu ne vas pas écouter. Parce que tu sais à qui tu as affaire. Tu sais qui elle est. Voilà. On la prend pour une prostituée là. Mais toi seul, tu sais qui elle est. Tu sais qu'elle n'est pas prostituée. C'est l'impression qu'elle donne. Parce que malheureusement, dans notre monde d'aujourd'hui, une fille, quand elle s'habille sexy, tout de suite, on dit qu'elle c'est une prostituée. Tout de suite, on dit que c'est une fille pas sérieuse. C'est une fille qui gère beaucoup de oui. Une fille, quand elle s'assume, tout de suite, on pense qu'elle elle gère beaucoup de oui, elle est infidèle. Une fille, quand elle aime son corps, on pense que son corps qu'elle aime là, qu'elle monte là, c'est pour attirer les hommes. C'est pour coucher avec mari des gens ou même coucher avec les hommes. Donc cette fille-là, les gens la jugent même sans vraiment la connaître. Mais toi, tu la connais. Toi, tu la connais. Toi, tu peux la choisir. Et elle sera la meilleure femme plus tard. Elle sera la meilleure femme plus tard. Moi, je vais vous dire une chose. Une fille qui a vécu, elle devient une très bonne femme. Oui, parce que quand l'homme la change, elle devient une femme très, très, très sérieuse. Elle devient une femme très posée parce qu'elle a tout vu. Elle a tout vu. Elle a vécu certaines choses. Donc, elle décide de changer, de se comporter comme une femme mariée là. Il n'y a pas aucun poil. Il n'y a même pas aucun poil. Voilà. Ça, on appelle ça apparence. On appelle apparence. Mes amis, quand tu veux faire ton choix là, n'écoute pas les gens. On s'en fout. Écoute ton cœur, mon frère. Écoute ton cœur. Quand tu parles avec elle là, est-ce que vous deux, vous avez les mêmes principes? Est-ce que vous deux, vous avez les mêmes valeurs? Parce que vous savez, mine de rien, quand on choisit, il y a des paramètres qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des critères qu'on néglige. Un gars, quand il est en train de choisir, il y a des critères qu'il néglige. Ça veut dire, par exemple, la religion, il peut négliger la religion. Il se dit, bon, moi je suis croyant, elle n'est pas croyante. Bon, ce n'est pas bien grave, hein, c'est pas bien grave. Mais si, en fait, si ce sont tes principes, si toi, tu es très croyant, et que toi, pour toi, une femme avec qui tu dois te mettre, elle doit avoir la crainte de Dieu. Elle doit être très croyante. Mon frère, si tu vois que celle-là, quand on parle de Dieu, là, elle emmène sa tête ailleurs, ça ne l'intéresse pas trop, il ne faut pas la choisir. Oui, oui, parce que vous n'avez pas les mêmes principes. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. C'est ça. C'est-à-dire que toi, un homme, tu as envie de faire des enfants. Tu as envie de faire des enfants. Mais elle, quand on parle enfant, là, ça ne l'intéresse pas. Tu ne la choisis pas.
savent que ce n'est pas la bonne. Parce qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes principes. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. En fait, quand tu parles de tes projets, quand tu parles avec elle, vous n'avez pas les mêmes projets. Vous ne voyez pas... C'est-à-dire que vous n'avez pas la même définition même de la vie de couple. Parce que c'est ça. Vous savez, il y a des femmes qui ont une autre définition de la vie de couple. Et il y a des hommes qui ont une autre définition. Donc, ça veut dire que toi, l'homme, quand tu veux choisir la nana là, il faut voir quelle est sa définition de vie de couple. Elle voit comme une vie de couple. Est-ce qu'elle se dit qu'une vie de couple, il y a des sacrifices à faire? Est-ce qu'elle se dit qu'une vie de couple, voilà comment il faut se comporter? Est-ce qu'elle voit une vie de couple comme ça? Si elle ne voit pas cette de cette façon-là, faut pas la choisir. Faut pas la choisir. C'est-à-dire que faut pas faire des choix. Après, tu es dans ton foyer. Et puis toi-même, l'homme, tu es fâché tous les jours. Tu es de mauvaise humeur tous les jours. Parce que si tu veux, il y a beaucoup de critères que tu as négligés. Tu t'es dit, non, ça là, ça c'est rien. Ça là, ça c'est rien. Non. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. Mais parmi tous les critères que vous citez, elle va te citer pour elle. Tu vas citer pour toi. Elle va te citer ses projets. Tu vas citer pour toi. Elle va te dire comment elle voit la vie. Tu vas le citer pour toi. Quand tu vois que tout ce que vous avez cité là, vous êtes d'accord sur la moitié là, c'est que c'est la bonne. C'est que c'est la bonne. Parce que tout ce que vous allez dire là, vous ne pouvez pas tomber d'accord sur tout. Mais en tout cas, la majorité, vous tombez d'accord sur la majorité. Ça veut dire que vous voyez la vie de la même manière. 50-50 là, c'est que c'est bon. Le reste là, vous pouvez modifier plus tard. Ça veut dire que la base est solide. Ça veut dire que ce que tu aimes là, elle aime un peu. Ta façon de voir les choses là, elle voit un peu comme ça. Donc tu te dis, bon, comme c'est du 50-50, c'est bon. Elle et moi, on peut faire chemin. C'est très important. C'est très très important. Et puis toi l'homme, avant de choisir, il faut que tu prennes un stylo. Tu prends un stylo, tu prends un papier. Et puis tu écris. Tu écris ses qualités. Tu écris ses défauts. C'est-à-dire que les go que tu es avec qui tu es là. Celle que ton cœur veut un peu, mais tu es là, tu hésites, tu doutes là. Prends un stylo et puis écris mes qualités, mes avantages, mes défauts, mes désavantages ou inconvénients. Voilà, et puis tu écris. Quand on voit défaut là, inconvénient là, tu écris. Qualité là, tu écris. Si qualité là est plus qu'inconvénient là, mon frère, faut la prendre. C'est elle qu'il te faut. Mais si inconvénient, si défaut là, c'est plus que qualité là, faut pas la prendre. Hein? C'est que c'est pas la bonne. C'est même pas la bonne. Ah, on vous dit la vérité, hein? C'est pas la bonne. Toi-même, tu vas prendre stylo, tu vas écrire. Tu vois que défaut de la fille, là, c'est plus que qualité. C'est qualité. Elle a beaucoup de défauts comme ça. Puis elle a petite qualité. Mais c'est elle que tu as le choisir. Ça, là, mon frère, tu vas avoir problème, hein? Tu vas avoir AVC. Goumen tous les jours. Ah, c'est très important. Ça veut dire que toi, un homme, tu es avec une fille. Quand tu dis 1, tu dis 20. Elle-même, là, elle te juge vite fait. Ben, il y a des go comme ça. Il y a des go comme ça. Tu es avec elle, là, elle te juge. 1, 2, 3, papa. Ça veut dire que vous êtes en train de parler comme ça, le temps même de t'en rendre compte, papa, elle t'a giflé. Ah! Le temps de t'en rendre compte, là, même, là, elle a serré tes cols comme ça. Elle veut t'étouffer. Mon frère, fais attention. Fais attention. Ça veut dire que celle-là, si tu l'as choisie, là, elle sera une Michelle. Elle sera une Michelle. Elle va kidnapper les filles. Elle va te faire la misère. C'est-à-dire que c'est go zigueï, tu allais marier comme ça. Go bri. Dans ton foyer, là, tu seras toujours chicoté. Tu seras toujours frappé. Ah, ben, souvent, vous avez des go comme ça. Des go façon insoumise, là. Très, très, très impolie. Elle-même, le temps, tu vas t'en rendre compte, là. Elle t'a donné un coup de poing dans ton visage. Le temps, tu vas t'en rendre compte, là. Ton habit, là, on dirait, c'est en train de t'étouffer là-bas. Mais tu dis, c'est elle-là que je vais choisir parce que je suis un peu mazo. Mon frère, tu es quel mazo? Tu as fait quoi avec celle-là? C'est pas bon, hein? Femme qui est comme ça, là, c'est pas bon. Pas dans ton foyer, là, tu vas souffrir, hein? On n'a qu'à se dire la vérité. Une femme même, ça veut dire qu'une femme avec qui tu es en train de causer, elle est là, elle est calme, hein? Elle est calme, lui, elle est très sage. Mais quand tu parles avec elle, là, elle, sa façon même, sa perception même du couple, là, quand tu parles, là, c'est une go même, tu sens que c'est une go féministe. Tu sens qu'elle est féministe. C'est-à-dire qu'elle, là, elle, dans son esprit, là, vous deux, là, vous êtes égaux. Elle, quand vous parlez, vous causez, là, elle te dit, mais tu es l'homme et puis quoi?
L'homme est plus quoi? C'est quoi la différence? Bah, on est pareil, hein? On est égaux, hein? Donc, voilà. Pourquoi tu me parles de homme, tu me parles de femme? C'est quoi ça? Ce que je fais, tu peux faire. Ce que tu fais, je peux faire. Non, mais attends, arrête cette histoire-là de oui, je suis l'homme, je suis la femme. On est tous pareils. Hey! Femme qui parle comme ça, là, fais attention. Femme qui parle comme ça, là, fais attention. C'est-à-dire qu'elle, là, elle serait une femme très insoumise dans ton foyer. Parce qu'elle, elle parle d'égalité. Elle pense que vous deux, vous êtes pareils. Donc, ces coups de poing, vous allez faire dans le foyer, là. C'est-à-dire que dans le foyer, là, c'est toi-même qui vas aller préparer. Elle, elle ne va pas rentrer à la cuisine parce qu'elle se dit que vous êtes pareil, vous êtes égaux. Femme comme ça, là, tu prends, tu choisis pas. C'est pas bon pour toi. Ah, on n'a qu'à se dire la vérité, les amis. On n'a qu'à se dire la vérité. Femme comme ça, là, c'est pas pour toi. Oui. Ah oui. Ah, toi, l'homme même, tu as tes principes, tu as tes valeurs. Tu te dis que, bon, je vais dans un foyer où ma femme, je vais la respecter, mais elle aussi, elle doit me respecter. J'ai besoin d'une femme soumise. Une femme soumise, ce n'est pas une femme esclave. Une femme soumise, c'est une femme qui est très respectueuse. C'est une femme qui sait donner la place à son homme. Bon, toi-même, tu vois que ce n'est pas ces critères-là que tu trouves chez la fille. Ce n'est pas ces mêmes valeurs-là que tu trouves chez la fille. Mais c'est elle que tu t'en choisis. C'est elle-là que tu vas les choisir. Parce que ces lolos-là sont trop gros. Ou même pas elle a trop tassaba. Ou même pas elle est trop belle. Dans tout ça, là, tu regardes, hein, tu vois comment elle est en train de parler, hein, tu vois sa mentalité, hein, mais tu réfléchis pas, tu dis non. Celle-là, celle que j'ai choisi d'être. Non. Son bobaraba, là, me fatigue. Non, quand elle voit ses fesses, là, même, il voit son cul, là. Non, je ne peux pas. Celle que j'ai choisi. Si elle vient à avoir tous les défauts du monde, je m'en fous. Je l'ai choisi. Mon frère, bobaraba que tu veux choisir, là, c'est-à-dire que tu veux la choisir à cause de son bobaraba, là. Tu veux la choisir à cause de ses lolos, là. Ah! Lolo là sera dans ton foyer là, tu vas voir ça en platinini. Tassaba, tu vas voir dans le foyer là, tu vas voir ça en platinini, en fitinini. Par un comportement, elle va avoir là. Toi-même, tu vas oublier ces lolos là. Toi-même, tu vas oublier son tassaba là. Son oulaba là, tu vas oublier ça. Tu vas voir ça en fitinini. Goût même de ça là, tu vas même plus ressentir. Pas c'est ça oh. C'est ça. On ne choisit pas femme parce qu'elle est belle. On ne choisit pas une femme parce qu'elle est belle. Non. C'est pas ça c'est pas ça des principes, c'est pas ça des valeurs. Non, on choisit une femme parce qu'on trouve des qualités en elle. On choisit une femme parce qu'on a à peu près les mêmes principes. On choisit une femme parce qu'on a à peu près les mêmes valeurs. On peut pas être pareil, on peut pas avoir tout, on peut pas être d'accord sur tout. Mais il faut qu'on soit d'accord sur la moitié. La moitié, c'est le minimum. Mais souvent vous choisissez des filles, vous n'êtes d'accord sur rien. Vous n'êtes d'accord sur rien. Vous n'avez même pas les mêmes valeurs. Vous n'avez même pas les mêmes principes. Mais celles-là, vous partez choisir. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'elles sont belles. Vous allez faire quoi avec beauté? Femme, même là, même quand tu es avec elle, là, quand tu la rends heureuse, quand elle est bien dans son foyer, là, elle-même, là, elle va devenir plus belle même que celle-même que tu vois dehors, là. Femme, quand une femme est heureuse dans son foyer, une femme, quand elle est épanouie, quand elle se sent aimée dans son foyer, mais elle rayonne. La beauté, c'est quoi? Moi, c'est ce que je dis. Femme, quand elle est à l'aise, là, ça se reflète sur son extérieur. Femme, quand elle est bien dans son foyer, son extérieur est beau, est joli. C'est ça. Mais une femme, quand elle n'est pas bien dans son foyer, quelle que soit sa beauté, quand elle passe, elle devient transparente. Elle devient fade. Parce qu'elle n'est pas heureuse. Parce que son intérieur, il y a du feu. Elle est mal. Elle pleure tous les jours. Elle est tout le temps cernée. Alors, ça ne fait pas ressortir le meilleur d'elle. Donc, ça veut dire que tu as une jolie femme, mais elle est dans le foyer là. Mais quand on la voit, on ne sait même pas qu'elle est jolie. Tellement qu'elle est mal, tellement qu'elle est triste, tellement qu'elle souffre dans le foyer. Parce que toi, l'homme, tu l'as choisi comme ça, mais vous n'avez pas les mêmes principes. Aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, et tu vois que tu as fait un mauvais choix. Tu vois que tu as fait le mauvais choix. Mais comment faire pour la quitter? Comment faire pour la quitter? Tu es coincé. Tu ne peux pas la quitter. Elle est là. Vous avez déjà fait un, deux enfants. Et puis elle est là. Et tu subis, elle subit, vous souffrez. Parce qu'il n'y a pas que la femme qui souffre. Toi, l'homme aussi, tu souffres. Toi, l'homme, tu souffres. Tu vas éliminer ta souffrance dans l'infidélité, avec les femmes dehors, avec l'alcool, tout. C'est vrai. Mais tu souffres. Parce que quand tu reviens chez toi à la maison, il y a la réalité qui te rattrape. Il y a la réalité qui te rattrape. Tu es face à ta réalité. Et c'est là que tu vois que tu es vraiment en train de souffrir. Faites attention. Faites attention, la beauté c'est vrai, c'est très important, mais ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère, non. Sachez faire vos choix, s'il vous plaît. C'est très important, parce que le but d'un homme, c'est qu'il soit heureux.
dans sa relation, c'est qu'il soit heureux dans son foyer. Qu'un homme est heureux dans son foyer, qu'un homme a la paix du cœur, qu'un homme se sent bien dans son foyer, il a des ambitions. Il a des ambitions. Il a envie de travailler. Il a envie d'évoluer. Il a envie d'avancer parce qu'il a la paix intérieure, parce qu'il se sent bien. Quand tu es avec une femme qui est tout le temps en train de te donner confiance en toi, toujours elle te donne confiance en toi, c'est-à-dire que quand tu n'es pas bien, elle a des paroles qu'elle fait sortir. Quand elle fait sortir, tu reprends confiance en toi automatiquement. Ça veut dire qu'elle sait quoi te dire. Quand tu es découragé, tu n'as pas le cœur de faire quelque chose, tu ne crois pas en toi-même là, elle a une façon de te parler. Tout de suite, ça te motive. Tout de suite, tu prends confiance en toi et tu fonces. Quand tu as une femme comme ça, c'est elle la bonne. C'est un bon choix. Tu l'as choisi, elle. Parce qu'elle, elle va t'emmener loin. Elle va t'emmener très loin. Parce qu'en fait, elle va te booster. Elle va passer son temps à te booster. Elle va te montrer que tu peux y arriver. Elle va te montrer que tu n'es pas un faible. Elle va te montrer qu'il n'y a pas de limite en fait. Tu peux tout faire. Une femme comme ça, tu l'as choisie. C'est la bonne. C'est très important, les amis. Vous avez compris? La coach Choco. Faites-moi les cœurs. Faites-moi les cœurs. Assez de cœurs là. Assez de cœurs. Assez de cœurs, s'il vous plaît. Je suis trop dangereuse. Je suis trop. Ça veut dire que... On peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, mes postes que je mets, c'est des postes. C'est des écritures. Donc, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Il y a des gens qui comprennent mal mes écrits, mon écrit. C'est-à-dire que ce que je dis, ce que j'écris là, il y a des gens qui comprennent mal. Donc, ils me jugent. Mais quand tu écoutes mes directs là, quand tu écoutes mes directs, tu vois que cette femme-là, elle a du talent. Tu vois que cette femme-là, elle donne de bons conseils. Voilà. Ben, il ne faut pas me juger. Il ne faut pas regarder mes écrits, là, mes posts là pour me juger. Suis un peu mes directs. Suis un peu mes directs. Tu vas être enrichi. Oui. Tu vas être très enrichi. Tu peux ne pas m'aimer. C'est ton choix. Mais tu dois me respecter. Tu dois me respecter. Voilà. Ça, c'est le savoir-vivre. C'est ça la civilisation, en fait. Je ne vous demande pas de m'aimer, mais je vous demande de me respecter. Je ne vous demande pas de ne pas faire des critiques. Vous avez le droit de faire des critiques, mais il faut que ce soit dans le respect. Ça veut dire que si ce que j'ai dit, vous n'êtes pas d'accord, vous parlez de ça, mais vous ne m'insultez pas personnellement. Voilà, vous ne rentrez pas dans mon intimité. C'est ça en fait les personnes civilisées. Vous avez compris? Parce qu'en fait, si vous voulez, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu. Voilà. Donc, je n'ai pas la vérité en moi. Je peux dire des choses parfois qui ne sont pas vraies. Mais c'est vous qui allez me faire comprendre que ce que j'ai dit n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous allez me faire comprendre comment? Avec dans le respect. Ah non, coach Amon, ce que tu as dit, on n'est pas d'accord. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et moi-même, quand je vois, je dis, ah oui, ça là, sur le coup, sur ce coup-là, ma chérie, là, tu as zaï. Ça, c'est pas comme ça. Voilà ce qu'on t'a expliqué. Et puis toi-même, tu comprends. En fait, ça t'enrichit. Ça fait que la prochaine fois, tu ne répètes plus ça parce qu'on t'a expliqué. Mais vous, vous n'expliquez pas. Vous insultez carrément. Non, ce n'est pas comme ça une discussion. Ce n'est pas comme ça un débat. Si je mets quelque chose que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, parlez en fait, faites parler votre intelligence. L'agressivité, non, ce n'est pas ça l'intelligence. Les injures, ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est son savoir. Fais parler. Voilà, dis ce que tu penses. Ton savoir, c'est ça même la vraie intelligence. Vous avez compris? Voilà, soyons un peu civilisés. Soyons un peu civilisés. Vivons selon notre monde. Moi, si vous voulez, je ne vous connais pas. Personnellement, je ne vous connais pas. Personnellement, vous ne me connaissez pas. C'est juste via Facebook qu'on se connaît. Donc, je n'ai pas intérêt à vous narguer. Je n'ai pas intérêt à vous faire mal, à vous blesser. Non, non, non. Moi, en fait, je fais mon boulot. Parce que moi, mon but, mon objectif, c'est de voir les couples heureux, les couples épanouis. C'est ça en fait, c'est pour ça que je fais ce boulot-là. Ce n'est pas pour détruire les couples. Donc si je dis quelque chose que vous n'avez pas apprécié, soyez intelligent, argumentez, dites ce que vous pensez. Et puis ça va aussi m'aider. Je suis votre coach, mais vous êtes aussi mon coach, mes coachs. C'est-à-dire que vous pouvez aussi m'apprendre. Voilà, on ne finit pas d'apprendre. Vous pouvez aussi m'apprendre. Donc, apprenez-moi dans le respect, s'il vous plaît. Apprenez-moi dans l'intelligence. Vous avez compris? On n'est pas des animaux.
On n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Bref, c'est ce qu'on fait. Puis les Blancs, là, ils se moquent de nous tous les jours. Ils disent que ceux-là, c'est des animaux. Ils ne savent pas dialoguer. Ils ne savent pas parler. Ils sont tout le temps en train de s'insulter. Ils sont tout le temps en train de se rabaisser. Non, non, non. On a été aussi à l'école. On a aussi cultivé. On apprend aussi des choses. On lit des livres. On voit des informations. On en sait aussi des choses. Donc, si on se calme un peu là, on va faire parler notre intelligence. Laissons un peu notre côté sauvage là. Injure, tout ça. Laissons ça un peu. Vous avez compris? Par moi, vous ne me connaissez pas. Où. Moi, là, je ne cherche pas votre mari. Où. Moi, je suis mariée. Je suis très mariée. Je suis mariée légalement. J'ai deux enfants. Et puis, je suis une femme, une épouse très épanouie, très comblée. Voilà. Quand je viens sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour allumer vos hommes. Non, non, non. Loin de là. Ça ne m'intéresse même pas. Moi, il y a déjà pour moi. Il n'est pas l'homme le plus parfait, mais en tout cas, pour moi, il est l'homme le plus parfait. Il me convient comme ça. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. La coche choco, la coche caviar, la coche champagne, il n'y a pas aucun. En ce moment-là, la coche d'actualité, la coche qui va tuer en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a pas l'homme pour elle sur les réseaux sociaux. Les gens me disent, mais coach Amon, pourquoi tu ne vas pas sur Instagram, pourquoi tu ne vas pas sur YouTube, pourquoi tu ne vas pas sur Snapchat? Eh les amis, tout ça là, ça va pas, il ne peut pas aller, hein, mais il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Vous me voyez comme ça là. En fait, d'Internet là, je ne suis pas doué. Tellement que je ne suis pas doué même, je n'ai pas envie d'aller loin, loin non, dans les trucs. Donc je me dis, Facebook est là, je peux m'exprimer via Facebook. Je me dis que beaucoup de personnes vont me suivre. Ceux qui peuvent partager aussi sur les autres réseaux là, ils me partagent. Mais moi-même, pour dire, allez sur Instagram, Snapchat, tant, je ne connais pas. Oh. Votre coach là, c'est une coach gawaze. Elle est gawazo, elle ne maîtrise pas. Moi-même, quand j'ai fini de faire direct là, je ne sais pas comment on fait pour aller sur les autres pages pour voir les affairages. C'est les gens qui viennent m'affairer, puis moi, je sais. Vous avez compris? Alors, je vous fais de gros bisous. J'ai trois types de coaching. J'ai un coaching par appel. J'ai un coaching par appel vidéo. Et j'ai un coaching de rencontre. C'est-à-dire que tu te déplaces, tu viens, on se voit, on s'assoit et puis on parle. Vous avez compris? Chaque type de coaching a son prix. C'est des prix différents. Vous avez compris? On paye avant de prendre rendez-vous. Voilà. Quand tu payes, tu prends rendez-vous. Si tu n'as pas payé, on ne peut pas prendre rendez-vous. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. Merci de répondre toujours présent. Merci d'être toujours là pour moi. Merci. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao. Hein? Le truc aussi ne veut pas s'éteindre.